Par rapport à la situation sécuritaire au nord du Mali, depuis un certain temps, il y a un regain de tensions et de violences. Cette volonté manifeste des forces armées maliennes de reprendre l'intégrité du territoire a jeté le courroux parce qu'il n'y a pas de risque d'empoisonnement. Aujourd'hui, la donne de 2023 est totalement différente de la donne de 2012. En 2012, l'armée était fragilisée, il y avait un problème de coordination, de volonté, d'hommes et d'équipement aussi. En 2023, il y a une volonté, il y a eu des équipements, il y a une bonne organisation au niveau du dispositif et surtout en tenant les leçons, l'armée a une couverture aérienne qu'elle n'avait pas en 2012. Dans la grande majorité, que ce soit les populations sédentaires nord, les populations Touareg, Tamachèque, les gens ont souffert de cette crise et veulent vraiment la fin.